vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite freinage par injection de courant continu. Pour freiner un moteur, on injecte dans les enroulements du stator un courant continu, celui-ci crée un champ magnétique fixe qui freine le rotor. Le courant continu, nécessaire pour un freinage efficace, est de l'ordre de 1,2 à 2 fois le courant nominal du moteur. Composant schéma. Q1, fusible sectionneur. F1, relais thermique. S1, bouton poussoir marche. S2, bouton poussoir arrêt. B2, contact centrifuge fermé lorsque la vitesse est supérieure à 0. T1, transformateur triphasé 400 à 24 volts. V1, 6 diodes de redressement. K1M, 10 contacteurs d'alimentation. K2M, contacteur de freinage, alternatif. K3M, contacteur de freinage, continu. M, moteur asynchrone. Fonctionnement. Une action sur le bouton poussoir marche S1 provoque l'excitation de la bobine, K1M, qui s'auto-alimenter. Ouvre le circuit de commande des contacteurs de freinage. Le moteur démarre et le contact centrifuge se ferme. Une action sur le bouton poussoir arrêt S2 désexcite la bobine, K1M, ce qui entraîne la coupure de l'alimentation du moteur. L'excitation des bobines, K2M et K3M. La fermeture des contacts de K2M met sous tension le transformateur triphasé qui abaisse la tension d'alimentation à une valeur de 24 volts. Celle-ci est redressée à travers un pont de diode triphasé. La fermeture des contacts de K3M permet d'injecter cette tension sur deux enroulements du moteur qui est freiné. Lorsque celui-ci est arrêté, le contact centrifuge s'ouvre et désexcite les bobines des contacteurs de freinage K2M et K3M. Remarque, si l'on appuie d'une façon continue sur le bouton poussoir S2, le moteur se trouve freiné.